Bonsoir à tous et bienvenue, nouvelle soirée sur Warzone, tranquillement, on va voir s'il y a quelqu'un qui veut jouer, sinon on partira sur du solo. Salut Army, comment ça va? Ben, vu qu'Army est là, on partira sûrement en duo, s'il est chaud. Voilà, et c'est tout pour ce soir, on va vite regarder ce qu'il y a en cadeau sur Prime, ok. Ouais, tranquille, hein. Passez une bonne journée. Ouais, on est 5, mais ouais. Merci aux 5 quand même, mais bon. Personne qui a dit bonjour. Enfin bon, c'est pas grave. Bon, y a rien sur Prime Gaming. À moins que certains d'entre vous cherchent quelque chose. On va juste aller faire un tour, hein, voir si vous cherchez quelque chose. Alors, Destiny 2, je l'ai, je vais quand même le récupérer, on sait jamais. Des fois que. Alors, World of... tu joues pas à Warcraft, Orbi? Ok, pas de soucis, ça marche. Ok, bon, on va aller en solo du coup. Ouais, après c'est récupéré. Ok, bon, il n'y a pas grand chose. Non, pas Warcraft. Ouais, bah tant pis. De toute façon, il n'y a pas grand chose. On va lancer le jeu. Donc, je le disais, hein, on était 5 et on n'est plus que 3. Ils sont partis. Ils n'ont même pas dit bonjour. Ah là là là. Ok. Tiens, Army, comme t'aimes bien les petits jeux comme ça, tiens. Attends, je vais te montrer un petit jeu que j'ai récupéré. Attends. Est-ce que... C'est... Non, si je réduis ça... Non, tu vois pas mon bureau. Attends, faut que je modifie un truc. Partage d'écran, changer... Je mets l'écran 1. Ah, si, l'écran. Ok. Alors, c'est un petit jeu. Ça s'appelle Doomsday. Je sais pas si t'aimes ce genre de jeu, c'est Fun Fact, j'ai repris le PS Plus et Rainbow Six Siege. Ah! Alors, il serait sur PC et Android. C'est un petit jeu où tu dois. C'est un petit jeu de survie aussi. Tu vois, où tu dois faire. Bon, j'ai déjà joué toute la journée. Voilà, tu dois assurer la. La survie de ta ville, si ça t'intéresse. Oh. Allez, attends. Voilà, si ça t'intéresse, c'est Doomsday, il s'appelle. Crossplay, si ça t'intéresse, c'est incroyable. Je connais R6. Je connais, j'y ai joué. C'est Doomsday. Alors, je te l'écris dans le chat. Je sais pas, je crois que je l'ai, ouais, faut que je regarde. Ouais, je regarde, mais ça fait longtemps, j'ai joué à R6 au tout début que c'est sorti. Après, ça a été abandonné par plein de monde. Du coup, c'était dur de trouver des parties. Et là, apparemment, ça marche à mort. Ah, c'est comme Battlefield 2042. Hein. C'est c'était de la merde à sa sortie. Et puis, ils ont bossé. Et puis, bah, maintenant, ça fait un bon jeu. Je finis à 22h. Dommage. Bah, ouais.
ça. Ouais, on pourrait se faire un peu de R6, ouais, pour voir. Après, c'est pas sûr, on est quand on est quand on est jeudi. Ouais, demain, parce que samedi, je ferai peut-être pas de live samedi dimanche. Je vais réarranger mon setup et puis du coup, je ferai peut-être pas de live. Peut-être que je me fasse un. Ouais. Ouais, demain, ouais, ça marche. On s'est verrouillé. C'est 5 accessoires sur la machine, ok. Voilà, X13, ok. Il arrive pas à se mettre parti là. Attends, 130 ms, non sérieux, c'est foutage de gueule. Putain. Ouais, ça doit être ça, ouais. Ouais, c'est sympa, ça change. En plus, il est sur PC, donc c'est bien. Je sais pas s'il est cross-platform, hein. C'est pour si tu veux, c'est un petit truc de survie, hein. Ouais, sérieux, 180 ms, c'est quoi ce délire là? Ouais, c'est quoi ça? Oh, c'est une blague. Non, je vais faire la soirée sur Warzone, on jouera demain. Bon, ça va. Il a trouvé une partie en moins de 100 ms, certains. Ouais, mais c'est tout le temps ça. Hein. C'est ce que je te raconte, c'est... Y a que toi. Y a que toi. T'es toujours tout seul. Les deux autres, c'est moi. Donc, je peux pas te... Je te parle déjà, je vais pas te parler au nom des autres. Donc, les gens, ils passent, ils disent même pas bonjour et ils s'en vont. Hein. Bah non, justement, j'ai fait l'effort de me raser, quoi. Putain. Faire reprendre la barbe et puis... Non, non, ces gens ils sont comme ça. Hein. Ça, je te dis, des fois, je me fatigue pour rien et puis je vais essayer après mon. Trop tard. Pas mal ce ci aussi. Atterri dans la zone. Surveillez le ciel.
Préparez-vous au déploiement dans Warzone. Bon, tu sais, je serais un gros streamer avec. Fois, même pas 1000, je m'en ficherais d'avoir mes 500 viewers. Les gens, ils diraient bonjour. Mais ils disent pas bonjour parce que je suis personne. C'est tout, hein, c'est. Très urgent. Survivez jusqu'à la fin du compte à rebours pour être déployé. Obtenez des points pour réduire ce délai. Comment sont le combat ici? C'est comme ça, quand t'es personne, bah, tu restes personne et puis... Dans la zone des opérations. Allez là! Putain! Oh, je m'en cogne. Yes, un petit pistolet derrière. Ah, attends, bouge pas. Hop! Un petit pistolet derrière qui va bien. Oui! Pas beaucoup, mais au moins les gens, c'est ce que je veux dire, c'est qu'en fait, quand même que t'es pas beaucoup de monde, quand t'as personne qui regarde, personne te dit bonjour. Quand t'as plein de monde, tout le monde te dit bonjour. Putain, mais je l'entends dans mes oreilles, le mec. Drone ennemi juste au-dessus. Ouais, bon, après. C'est pas que je m'en fous, ça fait toujours chier de savoir que je suis là pendant. Je suis là pendant 2 heures, même si je suis pas le meilleur animateur de la planète. Je sais qu'il y a des mecs qui présentent mieux que moi devant un écran. Ça parle plus, mais. Allez là! Ouais, mais tu vois, c'est. Ça rajoute encore un truc de plus à faire. Un ennemi atterrit dans la zone. Surveillez le ciel. Thank you.
est entré dans le réseau ennemi. Qualifiez leur station de liaison et téléchargez leurs renseignements avant qu'ils ne puissent leur attaquer. Putain, les autres opérateurs de cette escouade ont été marqués. Abattez-les. Il y en a un, il y en a un autre qui est par là. Ouais, mais c'est ce que je te dis, je partage déjà sur... Attends, deux secondes. Eh merde, j'avais plus de mun. Eh merde. Bon, deux kills. Bon, faut encore que j'apprenne à viser en déplacement. J'ai encore du mal. Eh, plus de mun non plus. Ok, elle est là. Le gaz se propage. Ah merde. Oh, je suis dans la merde, faut que j'aille par là-bas. Ennemi dans la zone des opérations. Oh putain, ils étaient deux. Vous êtes bien battu. Revenez à la base pour le débriefing. Bon bah tant pis. Tant pis, j'ai fait que deux kills. Tant pis, c'est un début de soirée. Il reste 24 ennemis. Oh là 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 là. Bon, début de soirée pas génial. On va essayer de faire mieux, hein. Non, je ne veux pas faire de partie classée. Je vais parler Star Wars avec mon père, c'est fan de ouf. Bah oui, c'est la même personne. Très bien. Anakin et Dark Vador, c'est la même personne. Ouais. T'aurais dû dire Luke. Ouais, mais ça reste la même personne. Certes, Dark Vador a peut-être d'autres connaissances qu'il a acquis après, après son changement, mais ça reste la même personne. Bientôt à nous. Échauffez-vous en attendant.
comment il défend une bataille et en dirige une en même temps, c'est pas logique. L'entraînement est terminé. Montrez que vous avez bien retenu la leçon. La meuf avec deux sabres verts et son chapeau bleu et blanc. Mais dedans quoi? Pardon. Ils sont blancs, ces sabres. Oui, mais dans quoi? À chaque Ahsoka Tano. Des munitions de calibre moyen. Ah si, Ahsoka Tano, c'est l'élève de Anakin. Non, c'est l'élève d'Anakin. C'était encore Anakin, il était pas devenu, il est pas devenu con encore Anakin à ce moment-là. Anakin, il était gentil avant. À la base, il est gentil. Et quand il a eu sa femme est tombée enceinte, la princesse Padmé, il a eu des visions. Il a vu la mort de Padmé. Et il a cherché une solution pour la sauver. Et c'est là qu'est arrivé Palpatine et lui a proposé un truc pour sauver Padmé. Les sites et Stormtroopers, c'est pas compliqué, hein. Coéquipier.
Bah, Palpatine, c'est celui qui a réussi à se faire élire chancelier. On est entré dans le réseau ennemi. Localisez leur station de liaison et Oui, téléchargez leurs je sais, là. renseignements avant qu'ils ne nous bloquent l'accès. Ennemi dans la zone des opérations. Merde. Attention, l'ennemi a déployé un drone de brouillard. Ah, tant pis. Vas-y, tue-moi. Ouais, en quelque sorte, ouais. Où il m'a trouvé? Ah ouais, pur hasard. Parce que c'est tapé toi, mais à des potes, quoi. Pourvu qu'il soit pas là, pourvu qu'il soit pas là, pourvu qu'il soit pas là. Eh merde, il était là. C'est la copie de mon type de démon. J'aime bien les deux. J'aime bien les deux. C'est comme ça. Ma fille aime bien Demon Slayer aussi. Et puis moi, j'aime bien Dragon Ball. Mais les deux sont bien. Les deux sont bien, c'est. C'est possible. Tant qu'il a pas une tête de sanglier, ça va. Bon. Ah là 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 là. Oui, tu es un peu facile. La princesse Leia, c'est un hologramme, j'ai bugué. À quel moment? Vérifiez votre équipement. On va bientôt y aller. Un ennemi atterrit dans la zone. Surveillez le ciel. Oh là là, j'ai mal. Putain, ils étaient à deux sur moi. Ouais, on va attendre la fin du chrono. À quel moment la princesse Leia, c'est un hologramme? Parce que je me rappelle que dans la première fois qu'on voit Luke, elle est en hologramme sur R2.
Alors, où c'est qu'on va aller? On va sur le petit bateau là. Dans l'épisode 9. Ouais. Alors en fait, c'est pas un hologramme. C'est une personne à qui ils ont collé le visage dessus. Et encore, il me semble que dans celui-là, elle avait fait les. Elle avait fait les images déjà, je crois. Une batteuse, une... Oh, il y avait un jeton, là. J'ai entendu une voiture au-dessus de moi. Ok, il n'est pas nul. Bon. Quelqu'un qui s'approche. T'es où, petit lutin? Oh putain, il était en bas. Ah, puis lui était là. Oh là là, putain. Pris un sandwich. Bien joué, bien joué, bien joué. Ouais, bon. Bonjour et bienvenue, surtout n'hésite pas à venir discuter, même si tu ne le fais pas. Ah là là, où c'est que je vais aller moi, tiens. Je suis bien allé par là, je suis jamais allé là. Hasard, je vais là et je suis sûr qu'il y a plein de monde. Je vais faire un petit cadeau, tiens. Hop. Voilà, un petit cadeau si tu passes par là. T'es sûr que t'es un vrai fan de Star Wars? Fan, j'aime bien Star Wars. Ah, tu veux savoir pourquoi? Parce que le laser, il obéit à son détenteur. Dans le réseau ennemi.
Localisez leur station de liaison et téléchargez leurs renseignements avant qu'ils ne nous le bloquent. Oui, t'as envoyé une notif. Eh oui, le sabre laser, il obéit à son utilisateur. Ennemi dans la zone des opérations. Ah putain, c'était un coup par coup, quel con! Oh quel con, putain! C'était un coup. J'ai même pas regardé ce que c'était comme flingos, je l'ai pris. Et je me suis fait dessouder la gueule. Putain, je ne l'ai tué qu'un depuis tout à l'heure. Oh, j'ai encore fait de la dope, quoi. Oh là là, oh, je fais canarder. En solo vs duo? Bah non. Je suis en solo solo moi. Je dis pas que je suis en solo duo. Dans
Sérieux? Mais non, je suis en solo, c'est en solo, ça le dit aussi. Eh merde! Non, non, on s'est dit on Mission allait poser remportée. ses équipes. Non, Belle progression. solo. Un solo Ils duo, se je rapprochent fais. aux troupes. Ne les laissez pas gagner. La résurgence a été désactivée. C'est maintenant que tout se joue. Ouais, mais putain, c'est maintenant que. Putain. Les caisses de ravitaillement sont de nouveau pleines. Équipez-vous. Oups. Le drone ennemi est actif. Putain, Survol C25. tant pis. Bon, je me suis rattrapé quand même, j'avais monté à 3. Et corriger le tir. Non, non, c'est bien du solo. C'est du solo, je suis pas peu bruit, c'est du solo. Putain, il a la FFR, c'est bien. T'as un bon flingue. Je crois que je me l'équipe. Bon, 15e. C'est pas la meilleure des soirées, mais j'aimerais bien qu'on revienne sur les autres, moi. Allez, hop. Ouh, encore un truc débloqué. Je tombe. Bon, c'était pas une si mauvaise soirée que ça. Non. Oh, je suis bien en solo. Ça, c'est rotation. Alors, en duo, je me ferais défoncer la gueule. Est-ce qu'on va pas se laisser faire un petit. Allez. Non, j'étais à 58 il n'y a pas longtemps. C'est 58. Je suis un peu sous ma peau. C'est 58. Et c'est deux personnes qu'on a fait un raid qui ont follow. Allez, on va se faire une dernière résurgence et après on ira en BR après. Ouais, c'est deux streamers qu'on a fait des raids qui ont follow. Vérifiez bien votre équipement, on part bientôt. Ouais, level 38, je suis un bon chômeur. Non, tu peux pas dire que t'es un chômeur. Un ennemi atterrit dans la zone. Cette péteuse de la mort.
ennemi en approche. C'est la fin de l'entraînement. Appliquez ce que vous avez appris. En plus, chômeur, c'est vite dit, hein. Je suis là que le soir, donc... C'est quoi ça? Allez, putain, je me suis fixé sur un alors que j'avais vu l'autre à côté. Ah oh, bah c'était le même en plus. Oh là là. Vous avez quoi, une nouvelle fois. Oh. Je vais mourir une nouvelle fois. Là, il y a déjà quelqu'un qui y va. Où vais-je aller mourir? Là, ils sont déjà deux, plus un gars qui tire au mortier. Là, il y en a encore deux. Putain, mais c'est du solo, du duo. Je me suis encore trompé ou quoi? Drone de brouillage hostile actif. Je suis pas tout seul. Putain, hasard. Il y a quelqu'un avec moi. Mais c'est quoi ces mecs qui sont kangourous là? Ouais, je vais faire une image de jeter en même temps. Bon, bah tant pis, mais j'ai même pas réussi à gagner. Putain, zéro. Oh là là. Je pense que je vais tout arrêter. Hein. Putain, y'a pas assez de flingue. Largage tactique allié imminent. Putain, c'est pas vrai ça.
a détecté une vulnérabilité dans le réseau ennemi. Putain. Ouais, je sais pas. Ouais, mais sur Android et PC. Et là, c'est une fille. Oh. L'ennemi a remporté cette bataille, mais on ne se laissera pas faire. Bon. Vendredi, ben c'est cool. Sans boire un coup. Bon, bah c'était une bien vilaine partie. Je me fous pas de sa gueule, je dis que ce sera peut-être une fille. Allez, on va aller se faire un peu de BR. D'abord, j'aurais bien faire des armes. Et j'ai vu qu'il y avait le nouveau fusil. D'assaut, ça lâche même pas. J'ai des trucs de verrouiller. Ça se pourrait les verrouiller, quoi. Verrouiller, ah putain, elle va verrouiller, quoi. Putain, c'est quoi c'est? FAMAS à quelqu'un, non, ils ont plus accès. Oh là là, bon, bah tant pis, on va se faire quand même une petite classe. Non, j'ai fait une classe donc fusil d'assaut. Ok, donc là j'ai ma batteuse, là j'ai mon fusil d'assaut. Parti en diable, tu m'étonnes. Mitraillette, pourquoi pas. Équipé. On va changer, on va mettre un. C'est pas mal ça. Ok, bon, voilà. Bon, même si on les utilise pas trop, les classes, je joue plus avec les jeux, les accessoires au sol, mais bon, on sait jamais. Peut-être qu'un jour, quand je serai bon, peut-être que j'arriverai à faire quelque chose. Allez, on va essayer de faire un petit quelque chose de bien en BR. Mitraillette belle 2046. Échauffez-vous un peu, on va bientôt partir. Ok. Soldat ennemi en approche. Mais faut les bons accessoires dessus. Ouais, mais comme toi, comme j'ai pas grand chose de débloquer, on va jouer avec.
rentrer là. Oh, fais attention. Ah, c'est vraiment un cercle de merde. Battle Royale. Un cercle de merde. Le gaz arrive sur votre position. Foncez vers la zone de sécurité. Largage des vérificateurs d'expérience en approche. Coordonnées marquées. On est combien là-dedans? 96. Waouh. Oh, il y a une nuque en cours ou quoi? Putain, un hasard, j'ai un mec sur le dos, quoi. Eh merde. Ok, premier kill en BR. On est pas mal, on est pas mal. Ok, donc le cercle il va se trouver en bas. Allez, on va aller par là. Après, c'est ton choix à toi, mais moi je ferais plutôt gaffe à comment j'appellerais mon gamin. Thank you.
base tactique est en route. Le gaz se rapproche. Il y a une nouvelle zone de sécurité. Scan d'occupation. L'ennemi surveille la zone. Couchez-vous ou passez sous l'eau pour rester caché. L'œil d'Armado de la Muerte. Eh ben. Cible localisée. Allez-y. Gaz avance. Là, il va se retirer par là. En vrai, c'est un gars, j'espère que. Je sais pas comment. Bah, t'as le temps, hein, t'as 9 mois pour réfléchir. Le gaz avance, il va se retirer par ici. Donc, on va aller par là. Je me dirige par là. Putain, et puis j'avais une bagnole, j'aurais dû la prendre. Je vais la prendre. Putain, merde. Elle est coincée dans le cimetière, je suis revenu pour rien. Il vaut mieux, moi, mais. Merde, putain. Ah, il s'est arrêté pour me tirer dessus et il se fait tirer par un mec en face. La voiture a fait vroom, le feu se fait pampan, le poussin fait piou piou. Poussin piou, le poussin piou. J'ai dû rater un épisode. Ok, on en est où là? Ok, il reste quelques secondes. On va attendre que le cercle se fasse. Ah, le train a changé, hein. Oh, encore une de tes chansons bizarres. Identifié.
Je vais rater, ça sert à rien. Donc on réussit à tuer un mec qui était devant moi et qui m'avait même pas vu. Le poussin piou, non, on ne connaît pas. Tu connais Don le poussin piou? Bon, bah, on ne même pas ce que je dis. Le gaz se déplace. Ok. Oh, mais nickel, je suis dedans. Donc, les vilains qui sont là-bas vont venir vers moi. Bon bah il a été plus rapide. Ah, il m'a vu en plus. Oh, oh, il m'a vu. Battez-vous pour votre liberté. Bon, goulag. Bon, j'ai fait 3 kills quand même, c'est bien. 3 kills en BR. Content de moi. Non, 2 kills, pardon. Oh là là. Y'a personne, je suis tout seul. Mais surtout, vous faites pas tuer les gars. Laissez-moi revenir gratis. Eh hey merde. Putain, pourtant je l'ai allumé. Bon, tant pis pour moi. Bon, ça fait 2 petits kills, c'est quand même pas mal. Hein. Bon, allez. Ah. Ouais, pas mal, on est pas mal. Alors, t'as dit poussin piou. Poussin piou.
Ah là 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 là. La mort au chichi, bon, de toute façon, dans les deux cas, je me fais baiser. Le poussin pue quand même. C'est, je peux éviter de me la faire mettre profond. Ah. Attention, le gaz se rapproche. Ben rejoignez moi, je ferais bien aller par là. Ok, mais avant Chichi. Eh sérieux, j'ai choisi le coin au pif et les gars ils arrivent à y aller quoi. Putain. Essayer de trouver les caches s'ils sont encore, sinon je suis comme un con. Alors, oh ça va, je suis dans le cercle. Bon, je m'en fous un petit peu en fait, j'ai le temps. Et déjà, attends, on vient de commencer là. Bon, concrètement. Ouais, là. J'y vais. Ouais, la chèvre a fait. Tous les animaux font du bruit, hein. C'est un point rouge. Sérieux, il y avait deux... Non mais...
Il y avait deux fusils de snipe là-dedans. Je vais le faire. Voilà. Bon, là-bas ça tire. Là il y a une vitre cassée, donc j'ai peut-être un pote qui est pas loin. Bon, il est où? Où est mon pote? Il est en train de faire le... Oh, allez, go. De toute façon, c'est un jeu. Hein. On meurt, on recommence. Mais une pierre d'où, là? Le délire là, putain, il est juste devant ma gueule. Oh non. Putain, j'ai en train de chauffer le second temps. Bah oui, t'as le choix. Bienvenue au goulag. Vous devrez vous battre pour gagner votre redéploiement. Non, on fait défoncer la gueule au maton. Là. Ils sont où, les connards de maton? Putain, hasard, y'en a aucun. Bon, allez, faut encore aller mourir. C'est mon territoire. Votre seul échappatoire est de tuer vos ennemis. Ah, j'avais plus de shield, tant pis. Bon, ben, c'était un peu dégueulasse. Non, mais attends, c'est quoi cette méthode de campeur là? Si je veux faire du camping, je vais dans les bois, hein, pas à la guerre. Hein. J'ai pas beaucoup, j'irais bien faire du ranked, mais putain, faut. Là, j'ai oublié de remettre mon micro, tiens. Ouais, c'est pas grave, c'est sans vuleur. Ça sert trop à rien. En ranked, faut être 4, quoi. Ouais, je suis bronze, les gars, bronze. Notez ça, ça, c'est bien. Oh, c'est nul à chier. Récompense top 250. Le problème, c'est que c'est à 4, on peut pas jouer tout seul. Non. De toute façon, c'est pareil, le just chatting, faut avoir quelqu'un avec qui parler, quoi. On va pas parler de tous les deux et puis écouter tes musiques que tu m'envoies, quoi. Allez, on va relancer un petit BR. Pour faire du jeu chatting, il faut avoir du monde pour discuter. On est que deux.
Les gens ils s'arrêtent pas, ils disent même pas bonjour déjà. Allez, on va commencer à faire une ou deux et puis je pense que ce sera pas mal pour ce soir. Tu vois, au lieu de dire des conneries, tu savais que le mec qui faisait la voix française de Sangoku dans Dragon Ball GT, il était mort? Ok, Battle Royale. Zone d'atterrissage marquée. Et le mec qui fait la voix de Son Goku dans Dragon Ball GT, il est mort. J'ai vu trop loin là. Allez, oh là là. Allez, oh, putain, mais j'arrive pas à casser les vitres en plus. Ok, allez, on va se plaquer déjà pour commencer. Bon, essayons de pas mourir direct.
Ah oui, c'est les mêmes mecs. Tu savais pas? Allez, ah. Ah, il a eu des visions et voilà, ça lui a brisé le cerveau. Quoi, hein? Tous ceux qui ont des visions, ils ont des problèmes. Je suis pas tout seul. Comment ça, je perds du terrain? Oh, c'est quoi ce délire? Oh, petite caisse intéressante là. Moi, j'ai tué personne, moi. Ils sont où les gars là? Allô? Laissez-moi en tuer au moins un. Ouais.
faut que ça rafale en cercle, il ne devrait pas être trop loin. Mais ils sont sérieux les gars? Bon d'accord, je veux bien que vous me tuiez le premier mais bon bah il était là en fait. Ah, vilain. Okay. Le gaz avance. Nouvelle zone de sécurité établie. Ah merde. Moi faut que je cours par contre. Merde, le gaz avance. Je dois y aller moi. Ouais, ça marche. Bonne soirée à toi, Armi. Et encore merci d'être venu. Ouais, ça marche. Hein. Après, si tu veux pas, tu peux pas. Hein. Waouh. Je crois qu'il y a eu un. On demande un survol de reconnaissance. Reçu. Le drone survole la zone. Reconnaissance en cours. Putain, enfoiré. Attention, le drone quitte la zone.
Bon, bah tant pis. Tant pis. Bon, j'en aurais bien... Putain, j'ai pas fait mon goulag encore. Putain, j'aurais pu en abattre deux. C'est loin. Ah bah oui, t'as échauffé ce mon gars. Et j'ai pas fait mon goulag encore. Allez, faut que je gagne, faut que je gagne. Mais attends! Putain! J'ai perdu le combat. Rentrez maintenant. Bah, je comprends pas. Bon, bah. Bon, bah, on va mettre fin à cette soirée déplorable. Encore une fois de plus. Hop, on va mettre fin à ça. Voilà, je réitère mon appel. Hein. Si quelqu'un veut jouer à Warzone, demain on fera peut-être du R6 avec Army. Mais si vous voulez jouer avec nous, il n'y a pas de problème. Waouh! Je sais même pas comment j'ai fait pour avoir autant de dictées que ça. Ouais, donc si vous voulez jouer avec nous, il n'y a pas de problème. Venez, n'hésitez pas à dire bonjour quand vous passez, faire vous connaître. Je garde pas tout le temps le message. Nombre de viewers, donc passez à regarder. Donc demain soir nous serons vendredi. Nous serons vendredi et donc on fera 20h-22h. Suivez-moi sur Twitter, je vous annoncerai si je fais effectivement live samedi soir, quand je vais réaménager un peu mon espace de jeu. On va voir comment on va faire ça. Histoire d'avoir plus d'espace que maintenant. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée demain. Et puis, ben, bonne soirée à vous et à demain.